L'ingénieur système est la personne qui va faire le lien entre les équipes projet et les équipes techniques électroniques, donc hardware et software d'un même projet. Donc il va avoir la charge l'étude des spécifications clients, la rédaction des spécifications internes pour diffusion au métier hardware et software. Donc l'ingénieur système va vraiment être au cœur du développement de tout le projet. Pour être ingénieur système, il faut être quelqu'un de très rigoureux et avoir un très bon esprit de synthèse. Parfois, les spécifications et les besoins des clients s'étendent sur plusieurs documents ou plusieurs centaines de pages. Il faut vraiment synthétiser tous ces besoins pour les retransmettre de la façon la plus claire et compréhensible aux différents métiers hardware et software du projet. Ce qui me plaît beaucoup dans le métier d'ingénieur système, c'est qu'on est vraiment au cœur du développement du projet. C'est un métier très polyvalent entre les équipes projet et les métiers techniques, électronique, hardware, software. C'est un métier aussi où on évolue vite. Aujourd'hui, l'innovation et la technologie, surtout dans l'automobile par exemple. Donc c'est un métier à très forte valeur ajoutée. Et je pense que pour après, si on veut évoluer sur des postes de type chef de projet ou management, c'est un métier qui va nous donner les ressources et les compétences pour...